Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-Président de la Commission. Je suis content de voir que la vie reprend son cours normal et que le multilatéralisme, pour prospérer, a besoin aussi de sommets et de réunions physiques. Donc c'est une très bonne opportunité, c'est G7, une réunion physique. Je voudrais me concentrer sur trois messages principaux. Premièrement, je voudrais d'abord mettre en avant la nécessité d'un engagement pour la publication obligatoire des données financières liées au climat. Ce serait un signal fort que nous ne pouvons plus cacher nos têtes dans le sable en ce qui concerne le changement climatique. La transparence climatique des entreprises est un premier pas essentiel. L'Union européenne a toujours été à l'initiative dans la lutte contre le changement climatique et je m'adresse ici à la Commission pour rappeler que nous nous sommes engagés pour la création de l'emploi soutenable et les citoyens nous demanderont bientôt des comptes sur le bilan de cet engagement. Donc c'est un sujet qu'on devrait avoir sur l'agenda quand on parle de changement climatique. Je veux saluer aussi la décision historique du ministre des Finances de G7 ce week-end sur le principe d'un taux minimal de taxation de 15% sur les profits des multinationales. Les règles fiscales internationales actuelles, qui datent de plus d'un siècle, c'est un système injuste qu'on ne peut pas défendre devant nos citoyens. Donc, il est le bon moment pour évoluer et pour assumer au niveau global cette décision. Et ça serait bien aussi que l'OCDE s'inscrit dans le pas de G7 avec suite à une telle décision. Je souhaiterais aussi faire un appel. Le chef d'État et des gouvernements de G7 doivent renforcer le soutien pour le COVAX. Nous avons parlé, y compris aujourd'hui, de COVAX, cette initiative européenne. COVAX est actuellement le principal instrument de solidarité pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 partout dans le monde. Et il est important de soutenir COVAX non seulement avec des déclarations, non seulement avec le souhait de mieux agir au niveau international ou voir des déclarations populistes, mais il est important de contribuer concrètement à appuyer COVAX. Finalement, c'est rafraîchissant de voir que les États-Unis sont de retour sur la scène internationale avec une approche constructive. On doit rester solidaire entre démocraties au niveau international. De plus en plus de leaders autoritaires contestent ouvertement le système démocratique et nous devons leur répondre avec courage et fermeté. Merci.